ça les dictionnaires. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de notre Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore accordée cet après-midi. Nous avons toujours dit que tout est grâce pour nous, les enfants de Dieu. Nous vivons par sa grâce le souffle de vie que nous avons. C'est le Seigneur qui nous l'a accordé. Voilà pourquoi chaque fois qu'il est jour, chaque fois que le Seigneur nous donne l'occasion, nous ne pouvons pas manquer de pouvoir de les louer. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur Jésus pour sa protection, pour tout ce qu'il fait pour nous et surtout pour l'œuvre de la croix. Parce que c'est là qu'il a manifesté son amour. Sans l'œuvre de la croix, on ne pouvait pas parler du royaume des cieux. Sans l'œuvre de la croix, on ne pouvait pas être appelé en peuple de Dieu, enfant de Dieu. Sans l'œuvre de la croix, on ne pouvait pas espérer à la vie éternelle. Mais aujourd'hui, nous avons l'espérance de la vie éternelle puisque il y a un sacrifice qui a été offert pour nous. Et pas n'importe quel sacrifice, mais un sacrifice d'une odeur agréable. Alors, nous sommes dans l'émission La Lumière du Soir. Nous avions promis qu'on allait faire une petite exhortation aujourd'hui, comme c'est le dernier jour aussi de l'année, par rapport au calendrier, bien sûr, le calendrier romain. Nous allons faire une petite exhortation pour terminer cette année selon les hommes. Et notre exhortation, c'est par rapport à la création de l'homme. Je crois que le dimanche, on en avait parlé. Et aujourd'hui, on va ajouter quelque chose par rapport à la création de l'homme. Et nous saluons la présence de tous ceux qui sont déjà avec nous en ligne. Que le Seigneur puisse vous bénir richement. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la paix du Seigneur puisse vous accompagner dans tout ce que vous faites. Que son succès soit avec vous. Sa victoire soit avec vous. Et surtout que le Seigneur puisse vous garder dans la foi des saints. Alors, notre texte, c'est Genèse chapitre 1er, verset 26. Je vais lire à partir du verset 26. Il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Voilà.
C'est ça notre texte. C'est sur ce texte que nous allons pouvoir nous exhorter. Alors, nous avions dit ceci la fois passée, que quand vous lisez les livres de Genèse, les six jours de la création, vous allez remarquer que chaque jour, quand Dieu criait, Dieu disait, il est écrit dédit. Dédit. Mais quand il arrive maintenant le sixième jour, pour la création de l'homme, c'est là où Dieu change la formule. Là, le Seigneur va dire, faisons l'homme à notre image. Donc maintenant, ça devient au pluriel. Donc le Seigneur utilise le pluriel ici. Il dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa l'homme à son image. Alors là, vous allez comprendre, quand le Seigneur dit, faisons l'homme, le faisons là, c'est au pluriel. Mais l'image, c'est au singulier. Et la ressemblance, c'est au singulier. Mais quand vous allez au verset 27, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Or, le verset 26 dit, faisons l'homme. Alors, voilà pourquoi nous avions expliqué, les faisons de Dieu ici, ce n'est pas comme les faisons des hommes. Puisque les faisons des hommes, ou soit le pluriel des hommes, n'est pas le pluriel de Dieu. Dieu peut utiliser le pluriel, mais en réalité, il ne voit pas plusieurs personnes, mais il se voit lui-même, mais seulement qu'il utilise des différents attributs. Voilà pourquoi, quand vous allez au verset 27, il est écrit « Dieu créa ». Au verset 26, on dit « Faisons l'homme à notre image ». Et vous allez remarquer que l'image là, c'est au singulier, et ressemblance, c'est au singulier. Si réellement c'était au pluriel selon les hommes, image devait être aussi au pluriel et ressemblance au pluriel. Mais ici nous voyons les faisons c'est au pluriel, mais image et ressemblance au singulier. C'est pourquoi les images passées nous avions cherché à comprendre les pluriels de Dieu, les faisons là, les nous de Dieu là, ça veut dire quoi? Voilà pourquoi nous sommes allés dans le livre de Jean, chapitre 10, nous avions dit ceci dans Jean, chapitre 10. Le Seigneur dit ceci, Jean, chapitre 10. Je lis le verset 30, l'Écriture dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Voilà. Donc, cette Écriture montre les « nous » de Dieu. Les nous dédiés, en réalité, c'est un. Parce qu'il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Donc, nous veut dire un. Voilà. Les nous dédiés veut dire un. Donc, alors, quand nous rentrons dans Genèse, le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. En réalité, ce n'est pas le pluriel selon les hommes. Alors, quand nous lisons les frères Paul dans Colossiens chapitre 1, je lis Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le frère Paul dit ceci. Verset 15. Le frère Paul dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, le Seigneur Jésus, c'est l'image de Dieu. Et Dieu qui est invisible, ce Dieu invisible avait porté le corps de l'homme. Le corps semblable au corps de l'homme, une chair semblable à la chair de l'homme, ce Dieu était venu dans la chair et on l'appelait Jésus-Christ. On l'appelait fils de Dieu. Voilà pourquoi le frère Paul dit, c'est lui qui est l'image de Dieu. Voilà, c'est là où nous comprenons. Quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image. Premièrement, l'image de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire que pour que Dieu crée l'homme, il s'est référé à une image.
Il a pris les modèles. Les modèles qu'il a pris, c'est le Seigneur Jésus qui est le modèle. Donc, l'homme qui devait être créé, que Dieu avait créé, donc Adam, le premier homme, il devait être le modèle, l'image du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, quand vous lisez les livres de 1 Corinthiens, de Romains d'abord, vous lisez les livres de Romains, je vais lire au verset 14. Le livre de Romains dit ceci. Cependant, Romains chapitre 5, verset 14, l'Écriture dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. Voilà. Donc, vous voyez, Adam était la figure, était l'image de celui qui devait venir. Donc, Adam a été fait à l'image du Seigneur Jésus. Donc, l'homme que Dieu a créé, Dieu l'avait créé à l'image du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il est écrit que Adam, donc je reprends l'écriture, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, c'est ici où nous comprenons que Adam, le premier Adam, a été fait à l'image du Seigneur Jésus. Donc, l'homme a été créé à l'image du Seigneur Jésus. Alors maintenant, il faut aller voir maintenant comment était le Seigneur Jésus. C'est ce qu'on avait expliqué la fois passée. Alors aujourd'hui, nous allons ajouter quelque chose, puisque nous avons dit que ça sera sous forme d'exhortation. On va en parler un tout petit peu. Alors, nous avions dit ceci, que le Seigneur Jésus, sur la terre, vous allez remarquer que le Seigneur Jésus sur la terre, il était homme. D'ailleurs, l'Écriture témoigne, il était homme. Je vais lire le livre de Jean. 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. L'Écriture dit ceci. 1 Jean chapitre 2. Voilà. 1 Jean chapitre 2. Ce n'est pas ça. Je crois que ce n'est pas cette écriture. Mais l'écriture témoigne que Jésus-Christ, en venant sur la terre, voilà. Je peux même lire Romains. Chapitre 8 d'abord. Nous lisons d'abord Romains chapitre 8 pour l'écriture témoigne noir sur blanc. Je vais lire à partir du verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus, en venant dans le monde, il avait porté une chair semblable à la chair du péché. Or, la chair du péché, c'est la chair que toi et moi nous portons. Donc, C'est cette chair-là, ou soit c'est ce corps-là, que Adam avait porté. Voilà pourquoi le premier Adam, donc Adam le père de nous tous, puisque nous tous, selon les livres des Actes des apôtres, tous nous venons d'Adam. Voilà, le premier Adam était l'image du dernier Adam. Voilà pourquoi c'est ça, ce qui confirme que Dieu, pour créer l'homme, il s'est référé à son image. Et l'image de Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui est l'image de Dieu. Alors, quand vous lisez maintenant les livres de
des choses. Les livres, d'abord, nous rentrons d'abord dans les livres de Genèse, où le Seigneur, où nous avions expliqué que les faisons de Dieu, c'est le Père et le Fils. Les faisons de Dieu, où Dieu dit, faisons l'homme à notre image, les faisons là, ce n'est pas un faisons au pluriel à la manière des hommes, mais c'est les faisons qui veut dire Père et Fils font un. Voilà pourquoi Jean chapitre 10, verset 30 témoigne que mon Père et moi, nous sommes un. Alors, quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, là, le Seigneur aussi témoigne ceci, je pense, Actes 17. Actes chapitre 17. Je crois que je vais retrouver l'écriture vite, vite. Voilà. Je lis Actes 17, verset 31. Quand vous lisez à partir du verset 31, l'écriture dit, je peux commencer par le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donner à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Voilà. Donc, de la même manière que Dieu, pour créer l'homme, il s'était référé à Jésus, qui est son image, qui est son fils. De la même manière aussi, Dieu juge le monde par la même personne qui est le Seigneur Jésus. Donc, pour dire que tu sois païen, que tu sois de n'importe quelle église, chrétien, musulman, protestant, catholique, assemblée de saints, n'importe quelle église ou athée, tout le monde est jugé par la même personne qui est le Seigneur Jésus. Puisque c'est le Seigneur Jésus qui dit avait ressuscité des morts. Voilà pourquoi il a désigné le Seigneur comme étant le modèle du jugement. De la même manière, Dieu avait choisi le Seigneur comme étant le modèle de la création de l'homme. Ici, nous profitons pour dire que les arbres, les animaux et autres choses n'ont pas été créés à l'image de Dieu, mais seulement l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Alors, comme maintenant on a compris que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et cette image c'est le Seigneur Jésus, maintenant nous allons comprendre comment était Jésus. Alors, nous lisons d'abord 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il est écrit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Voilà. Donc, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur, son nom, c'est Jésus-Christ, homme. Donc, Jésus était homme. Or, dans l'homme, qu'est-ce qu'on retrouve? D'abord, comment Dieu a fait l'homme? Dieu, pour former l'homme, il avait pris la poussière de la terre, il a fait le mélange avec de l'eau pour avoir le corps de l'homme. Et dans l'homme, il a mis l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2 témoigne cela. Quand je lis à partir du verset 11, 1 Corinthiens chapitre 2 dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà. Donc, chaque homme a l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi l'Écriture dit que qui peut connaître les choses de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? Donc, chaque homme a son esprit.
Donc, pour dire que Jésus-Christ, qui était homme, quand il est venu sur la terre, il avait aussi l'esprit de l'homme, puisqu'il était homme. Il était homme. Il avait l'esprit de l'homme en lui. Mais Jésus n'avait pas seulement l'esprit de l'homme, il avait aussi la plénitude de l'esprit de Dieu. C'est là où nous lisons dans Colossiens chapitre 2, où l'Écriture dit au verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, toute la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ. Pour dire qu'en Jésus, il y avait l'esprit de l'homme, il y avait aussi la plénitude de l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu qui avait habité dans le corps de Jésus, cet esprit était sans mesure. Il était sans mesure. De la même manière, quand vous rentrez chez le premier Adam, dans Adam, il y avait l'esprit de Dieu, mais avec mesure. Et il y avait aussi l'esprit de l'homme, puisque Adam était homme. Le premier Adam était homme. Voilà pourquoi le dernier était aussi homme. Mais le premier Adam a été fait à l'image du premier Adam. Le premier Adam a été fait à l'image du dernier Adam. Le dernier Adam, c'est le Seigneur Jésus. C'est celui qui est le modèle que Dieu avait pris pour créer l'homme. Voilà comment, en bref, ce qu'on avait expliqué le dimanche passé, et nous avions touché la ressemblance. Nous avons dit que la ressemblance, c'est par rapport aux œuvres. Et cette ressemblance, c'est par rapport aux œuvres. Et quand on parle des œuvres, on parle de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que tout homme dans le monde est fait à l'image de Dieu. Tout homme a l'Esprit. Puisque Dieu est esprit, et voilà pourquoi, quand on parle de l'image, c'est par rapport à l'original. L'original, c'est l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi dans chaque homme, il y a l'esprit. Mais cet esprit qui est l'esprit de Dieu, de l'homme. Et maintenant, quand l'homme ressemble à Dieu, c'est pour dire qu'en lui, il y a aussi l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi, si nous disons que Jésus est Dieu, c'est puisque dans Jésus, il y a eu l'esprit créateur, donc la plénitude de l'esprit. Et voilà pourquoi nous aussi qui avons l'esprit de Dieu en nous, le Seigneur nous appelle comme étant des petits dieux. Pourquoi? Puisque nous avons l'esprit de Dieu en nous. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Voilà pourquoi nous ressemblons à Dieu. Donc cette ressemblance, c'est par rapport à l'esprit de Dieu que nous possédons en nous. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne ressemble pas à Dieu. On peut être l'image de Dieu, c'est-à-dire être l'image de Dieu, veut dire seulement avoir l'esprit de l'homme, puisque dans Jésus, il y avait l'esprit de l'homme et il y avait aussi l'esprit créateur, mais dans sa plénitude. Donc, quand quelqu'un a seulement l'esprit de l'homme en lui, sans l'esprit de Dieu, cet homme ne ressemble pas à Dieu. Celui qui ressemble à Dieu, c'est celui qui a l'esprit de Dieu en lui. C'est ça la ressemblance. Voilà pourquoi nous avions donné l'exemple même de Caïn, quand l'Écriture dit dans 1 Jean au chapitre 3 qu'il ne ressemblait pas à Caïn, car il était dit malin. Pour dire que Caïn, quand on dit que Caïn était dit malin, ce n'est pas que Caïn physiquement, il était fils du diable, mais physiquement il avait un père qu'on appelle Adam. Et dans Caïn, il y avait l'esprit de l'homme, mais sauf que l'esprit du diable avait habité en lui pour faire mal à son frère. Voilà, quand quelqu'un a l'esprit du diable en lui, cet homme ressemble au diable, il ne ressemble pas à Dieu. Mais quand quelqu'un est en lui, a en lui l'esprit de Dieu, il ressemble à Dieu. Et cet homme-là, c'est celui que Dieu appelle Dieu. Puisque nous sommes dédiés selon les livres, d'ailleurs je vais lire cette écriture, où le Seigneur témoigne que nous qui avons l'esprit dédié, nous sommes dédiés, mais petits dédiés, pas des créateurs. Je vais lire Jean chapitre 10.
Jean chapitre 10. Je vais lire le verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu t'es fait dire. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Voilà. Vous voyez cette écriture ici? Donc, le Seigneur témoigne que nous, nous sommes dédiés. Je vais derrière continuer avec le verset 35. Si elle a appelé Dieu, ce à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, vous voyez. Donc, tous ceux qui ont reçu la parole, tous ceux qui ont l'esprit dédié en eux, par rapport à cette écriture, ils sont dédiés. Mais seulement Dieu à minuscule. Nous ne sommes pas des dieux créateurs, mais nous sommes dieux puisque nous avons reçu l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous ressemblons à Dieu. Caïn ressemblait, ne ressemblait pas à Dieu. Il ressemblait au malin, au diable, puisque l'esprit de Dieu n'avait pas habité en lui, en faisant ce qu'il avait fait à son frère Abel. Alors, quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu en lui, cet homme-là ne ressemble pas à Dieu. Il est l'image seulement puisqu'il a l'esprit en lui, l'esprit de l'homme, mais il n'est pas l'image et la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il y a deux choses, l'image et la ressemblance. Alors, Jésus, quand il vient sur la terre, il dit que moi et mon Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Et il dit que le fait d'être un, c'est par rapport aux œuvres. Il dit dans Jean chapitre 10, je vais encore lire l'écriture. Il dit ceci. Jean chapitre 10, je vais lire le verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Voilà. Donc, le Seigneur dit ceci par rapport à l'Écriture. Pour que vous reconnaissiez que je suis dans le Père, et le Père est dans moi, regardez seulement mes œuvres. Voilà pourquoi dans le livre de Jean 5, il dit que tout ce que moi j'ai fait, ça ne vient pas de moi, mais ça vient du Père qui est en moi. Donc, ce que le Père fait, c'est ça ce que le Fils fait. Alors, c'est là maintenant, c'est par rapport à ça qu'on parle de la ressemblance. Si sur la terre, nous avons vu le Seigneur guérir les malades, nous cherchons dans les Écritures, nous verrons aussi, dans l'Ancienne Alliance, Dieu guérir aussi les malades. Comme Dieu est créateur, voilà quand le Seigneur Jésus vient sur la terre, il a créé. C'est là ma petite exhortation de cet après-midi. Donc, comment Dieu Jésus est aussi créateur? Puisque nous disons que la ressemblance, nous répétons cela, la ressemblance, c'est par rapport à l'esprit, c'est par rapport aux œuvres. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu en lui, quelqu'un qui est rempli de rancune, quelqu'un qui est rempli de l'impudicité, quelqu'un qui est rempli de l'adultère, quelqu'un qui est rempli de vol, toutes sortes de mauvaises vies, cet homme n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Mais celui qui a l'esprit de Dieu en lui, c'est celui en qui on trouve, premièrement, l'amour de Dieu. Il aime Dieu. Et deuxièmement, il aime son prochain. Il vit, il mène une vie digne de la parole. Cet homme-là, c'est celui qui ressemble à Dieu. Il ressemble à Dieu, non par le physique, mais par rapport aux œuvres.
C'est ça la ressemblance. C'est ça la ressemblance. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il a ressemblé au Père. Jésus, si Jésus pardonnait, c'est puisque le Père a pardonné. Vous allez comprendre que depuis le jardin d'Éden, c'est là où nous voyons le pardon de Dieu. Quand Adam a péché, il y a eu écoulement du sang dans le jardin. Donc, comme le Père pardonne, le Fils pardonne aussi. Alors, je vais maintenant montrer comment le Seigneur Jésus, en venant sur la terre, il a aussi crié, puisque le Père a crié. Lui aussi, il a crié. Je suis dans Jean, 1 Jean plutôt, 1 Jean chapitre 5. Toutes ces démarches que j'ai faites, c'était pour vous amener à comprendre que Jésus est le Créateur. Il est le Créateur. Il n'y a pas un autre. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons les témoignages des hommes, les témoignages de Dieu est plus grand, car les témoignages de Dieu consistent en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Voilà. Quand le Seigneur vient sur la terre, par rapport à l'écriture que nous venons de lire, le Seigneur est venu avec de l'eau, du sang et avec l'Esprit pour rendre témoignage. Alors, quand vous rentrez au commencement, comment Dieu a créé l'homme et comment il a formé l'homme, puisque Dieu a créé, il a aussi formé l'homme. Pour que Dieu forme l'homme, je lis l'écriture. Je lis l'écriture, je suis dans Genèse, chapitre 2. Je lis le verset 6. Mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Voilà, un être vivant, ou soit une âme vivante. Alors, Dieu, pour former l'homme, il a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Mais quand nous lisons d'autres prophètes comme Job ajoute que tu m'as formé à partir de l'argile. Et quand nous rentrons dans Genèse chapitre 2, nous voyons que quand Dieu a terminé sa création, l'Écriture dit que la pluie n'était pas encore tombée, puisque l'homme n'était pas encore sur la terre. Mais il y avait une vapeur, c'est là où l'homme doit, le peuple de Dieu doit comprendre, il y avait une vapeur qui sortait de la terre pour arroser la surface de la terre. Donc quand une vapeur sort, pour arroser la surface de la terre, c'est-à-dire que la terre devait être mouillée. Voilà. C'est cette terre mouillée dont Job parle comme étant de l'argile. Donc la terre mouillée, c'est cette terre mouillée que Dieu a prise pour former l'homme. C'est-à-dire que nous comprenons que l'homme, il y a eu la poussière, il y a eu l'eau. Donc l'homme, Dieu a utilisé de l'eau pour former l'homme. Voilà pourquoi, quand l'homme meurt, quand Adam, par exemple, a péché, le Seigneur a dit que tu es poussière.
et tu vas retourner à la poussière. Or, les corps, on parle de la poussière seulement là où il n'y a pas l'eau. Mais quand il y a l'eau, ça devient de l'argent. Là, pour confirmer le prophète Job. Donc, pour dire que la séparation de l'eau avec la poussière fait à ce que l'homme meure. Alors, depuis que Adam a péché, l'écriture s'est accomplie. Dieu avait dit à Adam, tu es poussière maintenant. Tu es poussière et tu vas retourner à la poussière. Donc, pour dire que Adam était devenu poussière depuis les jours qu'il avait péché. Et jusqu'aujourd'hui, donc, quand Adam commençait à se multiplier, il s'est multiplié comme étant une poussière. Donc, il y avait déjà séparation de la poussière avec de l'eau. Donc, Adam s'est multiplié comme ça. Tous les gens qui sont sur la terre sont venus d'Adam. Et nous disons que premièrement, Adam avait d'abord l'Esprit de Dieu en lui. De deux, il avait l'Esprit, son esprit comme étant homme et son corps pour être formé, Dieu a utilisé de l'eau. Alors, quand il pêche, selon les critères de Dieu, Adam est devenu poussière. Puisque Dieu l'avait tiré de la poussière, il l'a formé et il l'a mis dans les jardins d'Éden. Et quand il pêche, Dieu dit que maintenant tu es poussière. Donc Adam était devenu poussière et Adam s'est multiplié en tant que poussière. Alors maintenant, quand le Seigneur Jésus vient, l'Écriture témoigne qu'il vient avec de l'eau. Voilà. Il vient avec de l'eau. Or, l'eau là que le Seigneur avait amené, c'était pour former un nouvel homme. Puisque Jésus-Christ est venu pour former une nouvelle créature. Voilà. Il est venu former une nouvelle créature. Voilà pourquoi Paul nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voilà pourquoi l'Écriture témoigne que quand Jésus est venu, il est venu avec de l'eau. L'eau que le Seigneur avait amenée, c'était pour former l'homme. Cette fois-là, pour former l'homme à la stature parfaite de Christ. Je vais lire ça dans Éphésiens. Dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Non, Éphésiens chapitre 4. Voilà. Éphésiens chapitre 4. Le Seigneur dit ceci. Au verset 11. Bon, je lis seulement le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Voilà. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, de la même manière que Dieu avait formé l'homme à partir de l'eau et la poussière, de la même manière quand Jésus vient, il vient maintenant avec de l'eau, mais pour former cette fois-là un homme nouveau. Et cet homme nouveau-là doit être fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc vous allez comprendre ici qu'il y a toujours un modèle auquel on se réfère pour former l'homme. Le premier Adam, il y a eu un modèle. Ce modèle-là, c'était le Seigneur Jésus. Et l'homme nouveau qu'aujourd'hui Dieu est en train de créer, le modèle, c'est toujours Jésus. Voilà pourquoi Jésus devait amener de l'eau pour former un homme nouveau. Cet homme nouveau-là doit être fait à la stature. J'ai lu l'Écriture. L'Écriture, Éphésiens 4. Voilà.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils dédié à l'état d'homme parfait, voilà. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, l'eau que le Seigneur a amenée, en réalité, c'est la parole. Ce n'est pas autre chose. C'est cette parole-là qui est en train de former un homme nouveau. Et cet homme nouveau qui est formé, doit être formé à la stature parfaite de Jésus. Car Jésus est parfait. Cet homme-là doit être parfait. Voilà pourquoi l'Écriture dit, soyez parfaits, car votre Dieu est parfait. Donc nous sommes en train d'être formés à la stature parfaite de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il a amené de l'eau. Nous continuons. Nous allons encore prendre l'écriture de... Attendez. Nous prenons, je pense, la même écriture. La même écriture. Voilà. À part l'eau, il a encore amené les sangs. Voilà. Là, je vais prendre l'écriture de Lévitique, d'abord 17. Pourquoi il a amené les sangs? Et enfin, l'esprit. Donc, il a amené trois choses. Et ce sont les trois choses qui rendent témoignage et les trois sont un. Lévitique nous dit ceci. Je vais lire à partir du verset 13. Je commence par partir du verset 10, Lévitique 13 et 17, 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu des mange du sang, d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang, je voulais donner sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Voilà. Donc, le sang, c'est pour l'expiation des péchés. Ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste avait présenté le Seigneur comme étant l'agneau qui ôte les péchés du monde. Voilà. Le sang des boucs et des taureaux n'était pas capable d'ôter les péchés. Mais le sang de l'agneau, c'est ce sang-là qui a expié. Expié veut dire ôter, enlever. Donc, le sang que Jésus a amené, c'était pour expier les péchés d'Adam. Puisque tous, nous sommes nés avec ces péchés d'Adam. Comme nous avons crié au Seigneur Jésus, le Seigneur a ôté ses péchés. Donc, le Seigneur est venu avec le sang pour que les péchés soient ôtés. Voilà pourquoi on ne peut pas parler des choses de Dieu sans parler de l'œuvre de la croix. Donc, tout est concentré sur la croix. C'est ça même le centre de notre prédication. Voilà pourquoi frère Paul dit que si le Seigneur n'est pas resté des morts, notre prédication est vaine. L'espérance que nous avons, c'est puisque le Seigneur est resté des morts, et nous croyons comme il est resté des morts, Dieu aussi va nous rester des morts, bien que nous mourrons quand à la chair, puisque cette chair ici est appelée à mourir. Et Dieu va nous donner un nouveau corps. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, le Seigneur dit, croyez en Dieu, croyez en moi, ne soyez pas troublés, je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et les plusieurs demeures dont le Seigneur parle, ce sont des corps que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Puisque nous allons, ces corps ici que nous avons, seront détruits. Et le Seigneur va nous donner de nouveaux corps, les corps parfaits. Voilà pourquoi on dit dans Éphésiens chapitre 4 que l'homme fait à la stature parfaite de Dieu. Puisque le Seigneur Jésus, quand il était venu,
Il avait un corps parfait. Le corps de Jésus qu'il avait porté, ce n'était pas un corps de péché. Mais l'Écriture dit que c'était une chair semblable à la chair du péché. Donc, le Seigneur a porté un corps qui était venu du ciel. Le Seigneur n'avait pas porté le corps qui vient de la terre. C'est le corps qui vient du ciel, le corps qui est parfait. Voilà pourquoi nous disons que notre prédication, quand on prêche, on ne peut pas oublier de parler de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi le Seigneur, en venant, il avait amené le sang pour expier le péché. C'est que le Seigneur, pour que quelqu'un soit sauvé, premièrement, d'abord, ses péchés doivent être pardonnés. Quand ses péchés sont pardonnés, c'est alors que l'homme maintenant est sauvé. Et deuxième, troisièmement, il avait amené aussi l'esprit. Mais l'esprit que le Seigneur avait amené, c'était l'esprit créateur, le grand esprit, Elohim. En lui était la divinité, la plénitude de l'esprit. En lui, l'esprit habitait sans mesure. Voilà pourquoi quand il est venu, Jean-Baptiste l'a présenté comme celui qui baptise du Saint-Esprit. Voilà. Baptisé du Saint-Esprit, puisque Jean a baptisé d'eau. Jean baptisé d'eau. C'est ça ce qu'il dit. Il dit, je vais lire ça. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Je vais lire les témoignages de Jean. Je vais lire verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fit manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colonne, comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Voilà. Donc, quand le Seigneur vient, Jean-Baptiste le présente comme quelqu'un qui baptise du Saint-Esprit. Il est celui qui donne l'Esprit. Pourquoi il est celui qui donne l'Esprit? Puisque l'Esprit habite dans la plénitude en lui. Et remarquez, l'Esprit qui était descendu sur le Seigneur, l'Écriture dit qu'il était descendu sous forme d'une colombe. Pourquoi comme une colombe? Or, la colombe, je vais lire d'abord Ésaïe 60. Vous allez comprendre quelque chose ici. Ésaïe 60. C'est par là, je pense que nous allons terminer. Ésaïe chapitre 60. Je crois que je vais retrouver l'écriture. Voilà. Ésaïe chapitre 60, l'écriture dit au verset 8. Qui sont ceux-là qui voient, qui volent comme des colombes, des nuées plutôt? Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées? Comme des colombes vers les colombiers. Voilà. Donc, le prophète Ésaïe, en parlant ici, il appelle des nuées comme étant des colombes. Or, où est-ce qu'on a vu une nuée voler? On a vu la nuée voler quand Israël marchait dans le désert. La nuée volait. La nuée était au-dessus du peuple d'Israël. Et quand la nuée vole, selon l'Écriture, la nuée est
comparable à une colombe. Et quand la nouée vole, ou soit la colombe vole par rapport à l'écriture, elle va... Colombier. Le colombier, c'est la maison des colombes. Voilà. C'est la demeure des colombes. Voilà pourquoi, ces jours-là, quand Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur, quand le Seigneur est sorti des eaux, Jean-Baptiste a vu la colombe descendre pour aller dans sa maison. Donc, la maison de la colombe, c'est le corps du Seigneur Jésus. Donc, le Seigneur Jésus, c'est tout un colombier où habite la plénitude de l'esprit. Voilà pourquoi il est venu, quand il est venu avec l'esprit. Et c'est lui qui devait baptiser. C'est lui qui devait donner l'esprit aux gens. Moïse, en lui, habitait l'esprit de Dieu, mais une portion. Abraham, en lui, habitait l'esprit de Dieu, mais une portion. Esaïe, tous ces prophètes-là, en eux habitait l'esprit de Dieu, mais une portion. En moi, habite l'esprit de Dieu, une portion. Moi, je ne peux pas te donner mon esprit, puisque je ne suis pas le colombier. Le colombier, c'est le Seigneur Jésus. Ni Moïse, ni quelqu'un d'autre. Mais le colombier, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui est la demeure de l'esprit. Voilà pourquoi il est celui qui est venu baptiser du Saint-Esprit. Donc, il est venu donner l'esprit, puisque l'esprit avait quitté Adam quand Adam a péché. Voilà pourquoi le Seigneur vient avec l'esprit, de la même manière que Dieu, après avoir formé l'homme, il avait soufflé sur l'homme. Et quand vous lisez dans Jean chapitre 20, vous allez remarquer que le Seigneur avait soufflé aussi sur les disciples en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Donc, voilà en bref, nous disons que le Seigneur ressemble à Dieu. Il est Dieu, pourquoi? Puisqu'il a créé. Il a amené de l'eau, il a amené du sang et il a amené l'esprit. L'eau, nous avions expliqué, c'est l'eau, avec l'eau que le Seigneur a fait le mélange avec la poussière pour former le corps de l'homme. Le sang, c'est pour expier le péché. Et non seulement pour expier le péché, mais souvenez-vous, le sang, c'est l'âme aussi. Voilà. Il faut aussi ajouter cela. Le sang, c'est aussi l'âme par rapport au livre de Lévitique, chapitre 17. Puisque quand Dieu a soufflé dans l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Or, l'âme, c'est le sang. Donc, l'homme a reçu le sang de la vie. L'homme a eu la vie, puisque Dieu avait soufflé en lui. Voilà pourquoi le Seigneur devait amener ces trois choses, l'eau, le sang et l'esprit. Et les trois sont d'accord. Les trois sont un. Je vais ajouter un élément ici. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui lisent la Bible en anglais. Quand vous lisez King James, en anglais, King James, quand vous lisez 1 Jean chapitre 5 verset 7, King James parle, dit, King James lui dit que in heaven, dans les cieux, there is Father, Word and Holy Ghost, and the three are one. Donc, King James dit que dans les cieux, la même écriture dans 1 Jean chapitre 5, King James en anglais dit, il y a le Père, il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. Que cela ne vous trouble pas. C'est la même chose. Donc les trois sont un. Le Père. Parce qu'il faut commencer par le verset 6. Donc, on décrit comment il y a donc comment le corps de Jésus est formé. Donc, dans ce corps-là, il y a le Père. Quand on parle du Père, on parle de l'esprit créateur. Puisque en Jésus a habité cet esprit-là. En Jésus a habité cet esprit-là, créateur. Et en lui, il y avait la parole. Il y a eu la parole. Voilà pourquoi il est la parole de Dieu. Cela ne peut pas faire à ce que les gens disent que Jésus est différent de Dieu, différent du Père. Non.
En lui était le Père, puisque le Père c'est l'Esprit, le Père c'est la source de toutes choses. Et en lui il y a la parole. Et quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est quoi? C'est la portion de l'Esprit de l'Esprit de Dieu que Dieu nous donne. Puisque Dieu lui-même, il a la plénitude. Mais nous, il nous donne une portion, la mesure de l'Esprit. C'est cette mesure-là qu'on appelle le Saint-Esprit. Personne d'entre nous ne peut avoir la totalité de l'Esprit. Quand quelqu'un a la totalité de l'Esprit, c'est-à-dire qu'il est Dieu créateur. Mais nous ne sommes pas des dieux créateurs, mais nous ressemblons à Dieu, puisque Dieu nous a donné le Saint-Esprit, qui est une portion de lui. C'est par cette portion-là que Dieu nous reconnaît comme étant ses fils, ses enfants. Voilà le paix que nous avions pour la fin de l'année. Selon les hommes, bien sûr, nous bénissons la présence de tous. Que Dieu vous soit tous agréable. Au nom du Seigneur Jésus, nous disons Amen.